But he's also very responsible and mature. He's very responsible and he works. He seems practical and simple. Is a methodical and smart individual. He is. Que resterait-il de ces jours-là si rien n'avait été filmé? Comment le savoir? Comment savoir si le journal filmé transforme ou non notre mémoire? Celle du filmeur comme celle du filmé s'il regarde ou celle du regardeur? Quelle histoire s'écrit ici? Sous nos yeux, dans nos oreilles. Pourrions-nous garder en mémoire le son d'un jour de novembre d'il y a 2 ans? Probablement pas. Le journal filmé est une mémoire externe qui flotte dans les disques durs des data centers dispersés aux 4 coins du monde. Sur combien de continents? Par petits paquets qui traversent les océans dans les câbles de fibres optiques? Par petits paquets qui se croisent dans les chambres de plage en remontant des profondeurs avant de rejoindre les réseaux jusqu'à nos ordinateurs lorsque d'un clic nous les appelons à venir éclairer nos écrans? Mais peut-être n'est-il pas question de mémoire dans le journal filmé. Peut-être est-il plus question d'écriture. Peut-être que l'écriture est l'unique enjeu. Écriture avec des images, de la lumière. Écriture avec des sons et des mots, de la parole et des gestes. Écriture de la main et de l'œil qui transforme petit à petit nos existences passagères en simple histoire.